Bonjour, aujourd'hui on va parler de notre ville natale Syktyvkar, de sa position géographique. Syktyvkar se trouve au nord-ouest de la Russie et est très loin de la capitale des grands pays du monde. Par exemple, Paris, Londres et New Delhi, 4000 km, Prague, 3000 km et Tokyo, plus que 6000 km. Excusez-moi, madame, mais vous vous trompez. Oui, je corrigeais. Zéro. Vous êtes sûr? Mais comment ça? On va vous faire une petite excursion. On se souvient de l'histoire. En 1812, après la victoire de la Russie, 100 prisonniers français ont été envoyés à Oust-Sisolsk, l'ancien nom de Syktyvkar. On a bâti des maisons au bord de la Sisula. On a appelé ce quartier Paris. Quelques mois après, on a permis aux prisonniers de revenir en France. Il n'y a plus de maisons de Français, mais les noms restent. C'est notre Paris. Et voilà notre propre tour Eiffel. Elle est plus petite que son original. Mais on l'aime aussi. Vous voulez habiter au Japon? Les habitants de notre ville ont cette possibilité. Voilà le quartier qui porte le nom de Tokyo aux couleurs propres à ce pays. On vous présente notre Londres avec Big Ben. Il se trouve près du gymnase des Arts. Vous voyez son horloge. Malheureusement, il ne sonne pas. Et voilà notre Prague. On peut constater qu'il n'a pas beaucoup de rapport avec l'original. Pour faire connaissance avec la culture du Moyen-Orient et culture asiatique, vous pouvez aller à notre université et parler aux étudiants de ce pays qui font leurs études. Merci. Grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. On voit que l'enseignement, c'est un processus réciproque.